Le concept, c'est de pouvoir répondre aux enjeux de la mobilité de demain. Toutes les études prospectives mettent en évidence un accroissement de la population, donc un accroissement des besoins en mobilité. Et la solution technique qui est constituée d'un système de marquage dynamique lumineux va permettre de contribuer à ces enjeux. Les piétons, dans certaines zones à risque, eh bien, ne sont plus vus. La solution permet donc à ce moment-là de pouvoir illuminer le passage piéton au moment du passage piéton par différents types de détection et donc de contribuer à la sécurité. En zone urbaine, également, des enquêtes mettent en évidence que pour les jeunes, plus de 65% traversent en regardant leur smartphone. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux en termes de sécurité qui sont très importants. Pourquoi ne pas finalement fluidifier le trafic en affectant une troisième voie dans le sens où la circulation est plus chargée et de manière dynamique, de manière à ce que le soir, le système puisse circuler en sens opposé. Alors un autre exemple concerne la modularité. Nous sommes tous parents d'élèves et nous avons tous été contraints à un moment de la difficulté de trouver une place au moment de la sortie des élèves. Et bien de pouvoir générer ces places éphémères et donc qui seront restituées ensuite à la circulation. On peut imaginer des places de livraison sur des horaires bien précis, ce qui veut dire qu'en dehors de ces horaires, ces places de livraison puissent devenir des places de parking.